Attention, all proud warriors! Have you ever considered joining Time Patrol? As a Time Patroller, you'll prevent history from being changed. Our duty is to protect everyone's memories and help return history to the way it should be. But we need your help. The only requirements are confidence in your capabilities, and of course, a strong desire to protect history. We've got a school for honing your skills, and a fully equipped item shop. How about it? Why not use your strength to help out a great cause? We're always on the lookout for powerful warriors. Okay then. Listen carefully. To maintain safety here, in Canton City, home to the Time Patrol, there are a few rules you must keep. First, firing a Kamehameha within city limits is prohibited. Time Patrollers wishing to fly when not on duty are required to obtain a flying license. Please help keep Canton City safe by obeying its traffic laws. Lastly, any alteration of history is a grave offense. Our missions come with the risk of changing history. So you must exercise the utmost caution. Avoid making changes to history like Trunks did. Keeping these things in mind, please carry out your missions safely. For the sake of the world and its history, we look forward to welcoming each of you to the Time Patrol! Salut à tous, c'est Samuel0138 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2, une petite présentation du jeu. Alors j'ai fait un live hier pour commencer à présenter un petit peu la chose et on a pu voir un petit peu de quoi ils vont retourner et donc on va passer directement au chargement de la partie. Alors j'avais créé ce personnage que j'ai fait en live hier. On va regarder vite fait ensemble la création du personnage qui est tout simplement la même que la création des personnages de Xenoverse 1, à quelques différences près, c'est-à-dire que on a accès à peut-être plus de cheveux, plus de visage, mais rien de fou. Déception, ceci étant, par rapport à la race des Majins, on aurait pu avoir un bout masculin qui soit au niveau physique à peu près dans la même veine que la fille, hein, c'est-à-dire pas avoir un gros bout. Et puis sinon rien de nouveau, donc je vais vous passer la phase de création du personnage en accéléré. On va prendre un Saiyan et puis on va attaquer tout de suite. Alors voilà, on a créé notre personnage maintenant et on va aller rejoindre la nouvelle ville de Cotton City qui est le nouveau hub du jeu avec beaucoup de choses à faire. Donc on a tout de suite plongé dans l'action avec une des premières scènes du jeu. On va refaire comme on a l'habitude maintenant dans tous les Dragon Ball, c'est toujours la même histoire. On va attaquer la saga Saiyan, on a Raditz sur Terre qui cherche son Goku. Et donc le combat entre Raditz cette scène où Sangoku
faire face à un autre personnage, il va faire un peu d'hostilité envers cette cinématique avec Bardock, une scène de Bardock devant Freezer, un arbitre au trône de la Terre qui menace de faire interdire le principe de parler de son maître. Pour enfin atteindre donc le fauteuil. Il y a des époques qui se mélangent, c'est un petit peu le tableau qui est dressé. Naze oretachi o kogeki suru nda? Densetsu no super saiyajin to yara ga arawaretari suru to fuyukai desu kara ne. Bardock qui fait connaissance avec le Golden Freezer et donc sans lui on va commencer. À l'arrivée de Slug Petales, son Tarkus avec Toa, qui est avec Mira, s'occuper de modifier le cours du temps et durant la nuit d'escalade aussi Bardock, qui a fait un time patroller Bardock avec ce masque. Et donc voici en gros nos ennemis qui nous attendent. Et on fait donc notre entrée dans cette nouvelle ville de Cotton City. Vegeta ! Nanda ? Tanomarete ta training suits, dekita wa yo ! なかなかいい素材が手に入ったから前のよりフィット感なんかもかくほんと全然働かない夫に最新トレーニングスーツまで作っちゃうなんて私ってできた妻よねちょっともう毎日毎日修行修行修行ああなんか腹立ってきたパーッと誕生日パーティーでもやってやろうかしら別に誕生日じゃないけど。え、donc une petite scène entre Bulma et Vegeta. 一件の報告あり。状況把握。引き続き調査されたし。ちょっと待てー。な、なんですかいきなり。例の超重要任務、お前に決まったぞーい。さっさと戻ってこーい。Et donc on rentre dans une première phase de jeu, le tutoriel en fait, on va nous apprendre les commandes pour le combat, qui sont sensiblement les mêmes que dans Xenoverse 1. Survol cette même ville dans la petite cité. Je
avec tous les différents lieux. Hein. Ici, c'est le quartier commercial. C'est un peu le centre-ville, on va dire. Et donc, pour moi, Xenoverse 2, ce que j'en ai vu déjà, qui est plutôt intéressant, parce qu'il y a plein de choses à faire, hein, outre le fait du mode histoire, hein, qui nous permettra de débloquer des personnages en faisant les missions, et puis de gagner des niveaux et des techniques. On a plusieurs personnages de la série qui sont disséminés à gauche et à droite sur l'ensemble de la map qui pourront devenir nos coachs comme on l'avait sur le Universe 1 et qui pourront donc nous donner nous apprendre des techniques. Mais aussi on a des quêtes secondaires qui sont intéressantes à faire pour débloquer des techniques et aussi des missions secrètes. Donc là, on va commencer avec une petite mission tutorielle pour apprendre à aller voir les personnages de la ville et visiter la ville, en fait. Il faut qu'on trouve le Kaioshin, le vieux Kaioshin. Et donc, on va nous apprendre à servir de la carte, on va regarder comment on parle aux différents protagonistes qui sont disponibles. Voilà. Et donc là voilà la carte qui est ici, et on a donc plusieurs zones, et là on est à côté de Capsule Corps, pas très loin donc de premier point qu'on doit aller visiter. Alors, on voit sur la carte, on a la maison de Gougou en haut à droite, à gauche on a le palais du tout puissant, en bas on a le vaisseau de Freezer, à gauche on a le stade du tournoi Tenkaichi, et donc Capsule Corps où on se trouve. Donc ici il y aura des quêtes à faire hein, petit à petit, donc voilà, une grande map quand même par rapport à ce qu'était le Xenoverse 1. Allez, on y va, on avance, et donc on voit les personnages qui ont des choses à nous donner, ont cette petite bulle sur la tête avec le parchemin. Donc là, on dit qu'il faut parler aux commerçants. Konnichiwa. Alors ensuite, il faut aller sur un autre qui est ici. Konnichiwa. Alors les musiques qui sont bien sûr pas forcément du Mario. J'ai pas voulu mettre l'OST de Dragon Ball pour les droits d'auteur, bien sûr. Alors là-haut, là si on suit le chemin qui monte, on arrive là-haut et on a l'entrée du, comme dans Xenoverse 1, l'entrée de la salle des temps du temps, avec la Kaioshin du temps qui nous attend là-bas pour nous donner les missions. Pour les régler les petits problèmes de chacun. Là, pour l'instant, on est en mode au début de la partie, le temps qu'on apprenne un petit peu la ville et tout ça. On est en local, on n'est pas encore en multi, donc c'est pour ça que vous ne voyez pas le joueur connecté. On voit le Mario Shenron qui surplombe la ville. Ici, ce qui s'appelle le Nid de Temps, et on retrouve donc le vieux Kaioshin qui nous attend ici et qui nous met au défi. Et donc, ça va être un défi qui va nous permettre d'appréhender les commandes du combat en nous balançant des vagues de. Voilà, c'est pour apprendre les commandes de base du combat et c'est pour donc. Voir un petit peu comment le gameplay s'articule et donc on va avoir droit à une vague de Sayabaman. Yoshi, jumbu wa ii? Hajimemashou ka. Koko de shikkari kihon o minitsukete ne. Sore ja, harikitte ikimashou. Allez, donc laisse-moi. Allez.
どこかにいいアイテムは。あ、ちょうどいいわ。あれをアイテム試してみましょう。
で今回の課題は終わり。これからの君の成長、楽しみにしてるわよ。C'est facilement. Et donc, c'est la fin de la mission. Donc, normalement, on va pouvoir passer au mode histoire. On va faire cette première histoire pour introduire un petit peu ces épisodes. C'est pas comme vous les aimez en studio. Allez, c'est parti. Cinématique et donc on va attaquer ce que je vous disais tout à l'heure, l'épisode avec Raditz. Et ça me semble beaucoup éthique. D'esquiver l'attaque de Piccolo. Et donc nous on fait notre entrée. On fait une entrée de merde. Voilà. Ça c'est fait. Bon, voilà. Excusez-moi, je suis arrivé comme un caca. Et on va passer à table. Allez. Viens par ici. De combat avec cette fois-ci donc la scène qui se passe comme ça devrait se passer avec Sangoku qui mobilise Raditz et puis Piccolo qui balance une attaque au Sampo. Donc là on a un peu établi. Ah voilà, c'est un petit épisode pour introduire un petit peu ce nouveau opus Dragon Ball Xenoverse 2. Dites-moi si ça vous intéresse, que je fasse une petite série là-dessus. Moi je sais que je vais continuer à faire des lives et puis faire évoluer mon autre perso. Je vous mettrai ces vidéos, je peux continuer à vous faire des épisodes comme ça en plus sur la chaîne. Ou juste me contenter de faire des lives, c'est vous qui me dites. Personnellement, je vais bien kiffer ce jeu, je pense. Donc n'hésitez pas si ça vous a plu, un petit pouce bleu, ou un petit pouce qui pointe vers le haut, et un petit commentaire, et puis voilà. Passez un bon week-end, et portez-vous bien.